vous avez secoué la passion. Ayant déjoué le système de défense, Mickey s'utilisa allègrement au fond du courant droit d'Ariane. Il s'utilisa tellement qu'il engendra une gigantesque tumeur, un amas terrifiant de cellules cancéreuses. Mickey a déjoué le système de défense! Mickey a déjoué le système de défense! Quelques années s'écoulèrent, et grâce à Mickey et ses descendants, le cancer a jeté l'enfant au fond du couloir d'Ariane. C'est pas l'humidité, Calion, c'est l'immunité.
Ben, c'est juste ça que j'ai fait pour l'appeler l'immunité cette semaine. Mais voyons donc. Ah oui, j'ai appelé au moins 3-4 fois déjà. 3-4 fois, tu en as encore ça? Je sais bien, mais là, on l'appelle un bon choix, je suppose. Là. On va pas vraiment le choix, là. T'es sûr que t'as le bon numéro, toi? C'est tout des 5. Oui, allô? Oui, bonjour, comme 39. Essayez l'immunité, c'est ça, là? Oui, c'est l'immunité, votre système de défense. Je suis déplacé pour recevoir service intérieur. C'est pas une urgence, mon ami? Une urgence? Oui, une urgence. J'appelle vous signaler qu'on est rendu avec une tumeur dans le poumon. Ouais. Mais vous pouvez l'entendre, là. Une tumeur, Crazy. Qui est appareil? Ben, c'est Roméo Stasi. Monsieur Stasi. Oui? Ça fait 4 fois cette semaine que vous me contactez à propos d'une supposée tumeur. Je sais pas. Je vous envoie pour la dernière fois l'imposante cellule NK. Mais cellule fait très bien la différence entre un vulgaire amas de CDCN et une véritable tumeur cancéreuse. Non, mais vous pouvez encore pour la dernière fois cesser de m'importuner et au revoir. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il dit, là? Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a craché les monnaies. Ils nous ont pas encore, monsieur NK, là. Bon, ben, l'accident, son cas, là, monsieur NK. C'est facile à dire, ça. Monsieur le touriste. Belle chemise. Ben. Quand est-ce qu'on est ici, là? Okay. Non, pas là. Là! Pour quelque chose qu'on pourra faire, moi, cette régression, une fois pour toutes, là. C'est dégueulasse, là. Comment ça, c'est blanc? Je viens de toucher. Tout ça me semble parfaitement normal. Normal? C'est normal, mon ami. Tout ça est en sens, ça. Oh, mon ami, c'est normal. Oui, mais par contre, c'est pas normal. Souvent, quand ça fait mal, c'est parce qu'il est trop tard. Et là, vous allez dire que c'est parce que je suis trop que je vais mourir. C'est pas que vous allez mourir. Hein? Les chances de vous sauver sont encore très bonnes. Et c'est même si vous continuez à fumer comme ça, vous allez favoriser le développement du cancer. C'est probablement la fumée de cigarette qui est responsable du développement des cellules cancéreuses dans votre corps. C'est une erreur. Je ne peux pas vous faire peur avec ça, regarde, mais chaque jour, à Paris, c'est un Québec. Il y a une quarantaine de personnes qui meurent de ce terrain. C'est vrai, on n'entend pas parler de nouvelles, mais non. On entend parler des accidents, d'un mort, mais 40 aujourd'hui est cause de tabagisme, 40 demain. Pourquoi que ma mère, elle, ça fait 50 ans qu'elle fume, à 65 ans, puis tous les tests de cancer qu'elle passe sont tous négatifs. Votre mère a développé des cellules cancéreuses, elle aussi. La fumée de cigarette qu'elle consomme à tous les jours finit un jour ou l'autre par transformer ses cellules. La grosse différence, c'est que son système de défense nous a détruits au fur et à mesure. Tout. Je vais vous conseiller un traitement de chimie. Yeah.
Ouais, j'ai vraiment bien réagi au traitement de chimiothérapie. Je vais vraiment mieux. Mais je reste positive. C'est pas toujours facile, hein, mais j'y crois. Ouais, j'ai presque tout perdu mes cheveux. Ouais, je vais bien, je vais bien. Le docteur a dit que toutes les cellules cancéreuses avaient été éliminées. Ben,